À te causer et c'est toujours et puis plaisir ma carré s'ouvre Gracien qui nous pas qu'à présenter encore Gracien qui m'a passé si maintenant bienvenue et bien si maintenant passe bien et puis la grâce bon Dieu et ma car louer bon Dieu dès que m'en vit toujours et ma car saluer toute maman internaute toute maman qui a gardé émission à Lyon la terre ma car dit bon courage et puis tu es bien fort oui. Gracien nous ouais et si maintenant qui passe à les 7 sauts et jodi a nous kay aborder le seulement du peuple bon Dieu avant nous commencer et sujet à en nous prier bon Dieu. Papa bon Dieu nous kado merci pour privilège ta là au banouan c'est toujours un plaisir pour nous de ouvrir Bible là mais sans l'intervention du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre. C'est pour raison de là, nous commandons de guider nous, de conduire nous, et de faire nous comprendre la révélation à nous, en nom de Jésus. Amen. Gracien. Et seulement du peuple bon Dieu. Texte là, nous sommes pour méditer en l'air là, qui s'est gardé nous, pour réconforter nous, et puis nous force et puis courage. Alors, nous allons lire ça dans Apocalypse 7, et puis verset 14. Il a dit nous, ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Oui. Alors là, nous avons le texte là, c'est qu'on en réponse à une question qui posait. Oui. Il a dit c'est eux qui sortent d'une grande persécution, grande détresse, nous pouvons employer ça par épreuve. D'accord? Et puis ils ont lavé leurs robes en disant. Sans Jésus, l'agneau qui blanchit. Ça ka veut dire qui ça? Ça ka signifie qui ça? Tout maman qui accepte les propositions Jésus fait yo. Et puis qui recevait sans Jésus-Christ dans la vie yo, pour le pardon du péché yo. Mais avant nous arriver juste là, nous quand monter en l'histoire ben là pour nous ça comprendre. Pour nous ça comprendre exactement ça c'est qui ça qui seulement oui hein ça nous attend pas ça maintenant et puis qui monde qui ca celle eh ben on ouvre Bible là on dit dans et Apocalypse chapitre 7 et puis nous quand les versets il y en a 3 alors avant nous lire hein, pour nous pour ça faire un fil conducteur bien compris alors nous quand lire deux derniers versets chapitre 6 là d'accord hein. Alors, verset 16, là, qu'a dit nous, nous, c'est le roi, les chefs militaires. Il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous. Cachez-nous devant la face de celui qui vient et devant la colère de celui qui est assis sur le trône, devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut s'y gipser? Chapitre 7, là, qu'a dit nous, réponse là. Il a dit nous, hein, chapitre 7, verset 1. Après ça, là, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Qui retenait les quatre vents, afin qu'il ne souffla point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Verset 2. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, ayant le sceau du Dieu vivant, et il cria d'une voix forte, ne faites aux quatre anges, ne faites point de mal à la terre, et aux quatre anges qui avaient maintenant été donnés de faire du mal à la terre et à la mer, ne faites point de mal, verset 3, à la terre et à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Oui. Donc arrêtez là. Alors, là, nous gardons ça qui décrit ici, à, et quatre anges, et quatre coins retiennent les quatre vents. Ça, c'est qui ça? Maintenant, vous pouvez comprendre ça. Alors, quatre anges qui a retenu les quatre vents. Ça veut dire que dans le chiffre 4 là, nous avons le nord, le sud, l'est et l'ouest. Hein? Et nous avons aussi les quatre points cardinaux, hein? Les quatre coins du globe. Nous avons que bon Dieu, maintenant, a géré toutes choses. Et il a toutes choses en la main. Et nous avons maintenant que si l'on volontaire, il a permettre hein, certaines choses. Mais Adam, quand tu as là, ici, nous avons rappelé toujours que nous, Adam,
période, l'évolution, la vie, peuple bon Dieu, et puis l'évolution, le monde qui a combattu contre bon Dieu. Mm-hmm. D'accord? Angelan, c'est Angelan qui est en action ici, hein? Il a exercé volonté bon Dieu. Il a retenu les quatre vents. C'est-à-dire, dans la Bible, hein, les vents, hein, qui a fait référence à la violence, à la guerre. Nous allons lire ça dans Daniel 7, verset 2, Jérémie 25, verset 31 et 34, et nous allons lire Jérémie 51, verset 1 et 2, et qui auquel ce texte-là qui explique ça, il a tenu par vent. Mm-hmm. A oublié, nous dit que l'Apocalypse écrit Adam en langage symbolique. Mm-hmm. Alors, faut décoder ces expressions pour que ça comprenne valeur. Ici, là, le vent qui a tué là, c'est le vent de la guerre, le vent de la violence, le vent de la haine, hein, contre bon Dieu. Donc, et pendant ce temps, il a commencé un scellement. D'accord. Donc, le vent retient les difficultés pour permettre l'ange qui a monté du côté du soleil levant, le soleil levant, ça c'est le nord. Hein, pour maintenant apposer un saut en les serviteurs bon Dieu. Nous avons dit Amen, nous avons dit Alléluia, il y a serviteur bon Dieu dans tant de détresse, dans les bons comme dans les mauvais. Donc, durant tant là, il y a marqué les serviteurs de Dieu. Matché les serviteurs. Alors, qui mène il y fait où ça et qui mène ça qui passe? Est-ce qu'on les l'emmène de Dieu, on les font yo, qui marque Matché? Et nous le savons tout ça. Alors, nous allons continuer pour nous faire ça comprendre. Alors, ne faites point de mal à la terre et à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Front ici, qu'a symbolisé l'intelligence. Mm-hmm. C'est là le siège de la pensée. Mm-hmm. C'est là où on prend les décisions les plus importantes. Le cerveau. Oui. Voilà. Donc, maintenant, en un mot pour nous aller vite, parce qu'elle est à garder nous. L'ange-là, tu as reconnaître le caractère bon Dieu à travers la vie tout le monde qui déclare qu'il est fidèle. Soit c'est le caractère bon Dieu. Et surtout, c'est qui ça? Le caractère de Dieu. Ça va sain tout ça. Soit, là, nous avons gardé un saut. Attends, nous n'y sommes dans le commerce, où c'est un chef d'entreprise. Nous n'y sommes un tampon. Ou n'y tampon. Oui. N'y tampon. À deux tampons. Il m'a tché. Ça, il m'a tché. Tampon. Tampon, on n'y. Il m'a tché nom, hein. Non, Jacques César. Il m'a tché profession, hein. Profession. Il m'a tché adresse, hein. Adresse, oui. Et puis, numéro d'immatriculation. Oui, oui. Très bien. Donc, maintenant, à deux sauts, bon Dieu, pourquoi y trouver? Non, bon Dieu, titre lui, hein? Créateur du ciel pourquoi et de trouver la terre. Fonction et pourquoi trouver l'étendue juridiction. Juridiction. D'accord. Alors, d'accord. Soit, si nous, même si nous faisons rond, si nous faisons oval. Mm-hmm. Alors, titre là. Mm-hmm. Éternel Dieu. Mm-hmm. Fonction. Créateur du ciel et de la terre. Non, il créateur. Mm-hmm. D'accord. D'accord. Fonction, créateur. Étendue juridiction. Mm-hmm. Les cieux et la terre, y compris là. D'accord? Eh bien, c'est ça. Eh bien, c'est ça qui a marché dans les fonds des serviteurs de Dieu, sauf bon Dieu. Alors, qui rapport ça ni et puis quatrième commandement? C'est seul côté. Dans les commandements, plus que les 10 commandements, tu n'auras pas de toi Dieu devant ma face, tu ne te feras pas d'image taille, tu ne prendras pas le nom de l'éternel ton Dieu en vain. On va sauter quatrième là. Cinquième là. Hein? Honore ton père et ta mère. Hein? Sixième là. Vous connaissez comme moi. Septième là. Huitième là. Nous, neuvième là. Dixième là. Il n'y a pas de pièce de là. Nous avons un quatrième là. Il y a souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Pourquoi il travaille six jours? Pourquoi il fait tout ouvrage? Mais le septième jour, c'est jour pour l'éternel bon Dieu. Pourquoi il fait pièce ouvrage? Ni ou, ni fichu, ni fichu, ni ça, si, ni ça là, ni ça là. Avant six jours, l'éternel Dieu. Non? Crie. Alors, qui mène l'éternel qui a fait pour faire seulement là? Faut que nous avancions, puisqu'elle est à Kagoum et puis nous. On nous prend un texte là. Oui. On nous prend Éphésiens, chapitre 1er, verset 13-14. Éphésiens, 13-14, il a dit nous. En lui,
Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et en qui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qui s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a scellé. Mmh. À présent, Bible a un détail là, il dit comme ça, il tente et nombre de yo qui pour marquer par ce bon Dieu, 144 000. Oui. Mmh. Est-ce que c'est un chiffre symbolique ou un chiffre littéral? Alors là, moi toujours dire, les nous abordons l'Apocalypse sur tous les chiffres, il faut que nous savons que chaque chiffre là a une signification. 144 000, c'est un carré de 12 000. Hein? 12 000. Pas oublier, la villa est qui est les élites qui habitent là, il y a 144 coudées. Mm-hmm. D'accord? Hein? Et 144 000, c'est un carré de 12. Donc, 12 dans la Bible, c'est chiffre de la postérité. Pas oublier, c'est la totalité. Totalité. Oui. La totalité. 12 tribus, 12 disciples. 12 tribus, 12 disciples. Là, hein? Dans la Bible, Paul Gagic fait référence à 12 églises. Oui, là. Uh-huh. Mm-hmm. Très bien. Alors, donc, maintenant, Bible a dit nous, hein, faut nous prendre texte là pour nous bien expliquer ça. Et bah, ce moment-là. Nous, en Apocalypse chapitre 7, verset 4. Mm-hmm. J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Mm-hmm. Vous tenez bien, bien, film là. J'entends un nombre du monde qui m'issue à soi. Il donne 144 000. Nous dit c'est un chiffre symbolique ici qui a ramené la totalité des élus à sur la face globale de toute la terre et de tous les temps. Maintenant, donc c'est un chiffre qui est symbolique. Ni monde qui a dit quoi, c'est un chiffre littéral qu'il a, c'est 144 000 mouns seulement qui a eu monté au ciel, qui a eu sauvé. Et Bible a dit nous, les élus tellement nombreux qu'on peut compter les sables sur la mer, de la mer où pas qu'ils arrivent à compter. D'accord. La preuve, nous allons continuer. Nous arrivons au verset 5. 5, 6, il va avoir ce machin. Au verset 9, il va dire, après cela, je regardais, et il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, ils se tenaient debout devant l'agneau, revêtus de robes blanches, des palmes dans leurs mains. Donc, arrêtez là. Mm-hmm. Donc, ici, hein, nous n'y un grande foule, mais qui devant toi nous. D'accord? Qui devant toi nous. L'important ici, hein, c'est que tout le monde qui sauvé, trouve quoi devant toi. Oui, oui, moi d'accord, et puis tout ça, on va dire là. Mais l'aime ou qu'a gardé la grande foule, et puis les 144 000, il y a des spécificités, et il y a qu'à bas, concernant les 144 000, puisque il y a des gens qui n'ont pas passé par la mort, des gens qui passé par la grande tribulation, et ces gens qui pas passé par la mort, pas écrit. Il dit que c'est moun qui sont à de grandes tribulations, mais qui l'avait au bio, à de sang Jésus. Et c'est moun là qui fait partie du moun qui pas passé par la mort, et le Jésus qui a viré, puisque on sort bien, le Jésus qui a viré, qui a une fidèle qui a attendu. Mais bien sûr. Mais bien sûr, dans les deux côtés. Oui. Donc, il y a une deux marches. Il y a une moun qui mort, mais qui l'avait au bio dans le sang de Jésus. Oui. Et puis qui a ressuscité. Et ni même les gens qui vivent, qui l'avaient au bio, à dans Jésus, mais vous remarquez que c'est le même principe là. Et puis, ils ont monté. Donc, ils ne peuvent pas passer par la mort. Par la mort. Maintenant, il y a des gens qui ont en différence. Mais globalement, les gens qui ont servi le texte là, ils ont dit qu'il n'y a pas de pièce de différence. Et s'il y a une différence à faire, le privilège là, c'est le privilège de mon Dieu. Oui. Puisque il y a un autre là qui a dit que. Et ainsi, les 144 000 qui ont représenté la totalité du peuple bon Dieu à la fin des temps. Tout Israël. Et yo,
qui prépare koyo ba Jésus qui ka viré et qui ka translé sans passer par la mort. Sans passer par la mort. Mais là regardez d'où ventre nan ni en grande foule. Oui. En grande foule. Donc les chrétiens depuis Adam. Adam. Oui. Juste ça ka vive au retour de Jésus. Et c'est pour ça là nous ka li leso, nous ka wè évolution période là. Toutes les périodes depuis. Alors, de qui parti vous avez fait partie? L'important. Les 54 minutes. L'important, c'est la main du 23 ans. La main du 23 ans. Et si papa mon Dieu décide, dit bah moi, privilège. Vous comprenez? Pour moi-même, tout petit, à côté Adam, mais c'est l'important, c'est la main du 23 ans. Oui, alors, c'est ça qui est important. On nous regarde qui ça, Jean-Cadi dit, Gonfoula. Et c'est vraiment un privilège, verset 9. Apocalypse 7, verset 9. Ouais. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ouais, depuis Adam. Hein? Et il se tenait debout devant le trône, revêtu de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Nous avons un moment pour nous expliquer cela. Il y a debout devant toi, non? Il y a vêtu de robes blanches. Robes blanches, tu as là, hein? C'est caractère bon Dieu, justice bon Dieu, hein, qui en la vie. Nous allons lire dans Éphésiens 5, verset 1er, étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Wobla, c'est wobla, justice bon Dieu. D'accord? Parce que l'homme n'a pas produit justice en lui-même. Ésaïe 64, verset 5, qu'a dit devant mon Dieu, nous considérer comme des impies et toute justice qui peut sortir de nous, c'est un vêtement sale, un vêtement souillé. Mais c'est Mouna qui a accepté l'agneau de Dieu, comme Jean-Baptiste dit, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mouna qui a accepté là, qui a endossé la justice, mon Dieu. Et le papa Dieu qui a gardé, mais il a gardé à travers justice Jésus, il a été saint. Oui. On nous examine puisque tant qu'à gommer et puis palme là qui a la main, c'est symbole de victoire. Ça victoire sur le péché, victoire sur Satan, victoire sur les couillonnades du monde, victoire sur le mensonge, victoire sur les et 100% pour la vérité. C'est en vie triomphante. Exactement. Et en finale. D'accord. Grâce à ce qu'on a pensé du texte là qui a présenté nous les trois caractéristiques dit les 144 000. Et Apocalypse 14, verset 1 à 5. On lit ça rapidement pour nous garder qui lit son. Je regarde. Voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur le fond. Tout le monde, c'était le caractère bon Dieu qui a transparu. Oui. Très bien. Bon. Et j'entendis du ciel une voix forte qui dit comme une bruit de grosses eaux, comme le bruit de grand tonnerre. Nous voyons ça dans chapitre 1 Apocalypse. Là. Et comme la voix, et j'entendis, était comme celle d'un joueur de harpe qui disait, et il chante le cantique, un cantique nouveau. Devant le trône, des et les quatre vivants et les 24 vieillards. Notez, cantique là, il y a chanté. Les 24 vieillards et les quatre vivants connaissent le cantique là. D'accord? Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui ont été rachetés de toute la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges et ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau, et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de fraude ni de mensonge. Ils sont donc irrépréhensibles. Et clairement, le passage là m'a trouvé quand même est complexe. L'agneau se trouve sur le mont Sion avec les 144 000. Il va suivre l'agneau partout. La foule. Qui ça Jésus dit? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Luc 9, 23. Et qu'il se charge de sa croix et qu'il suive. Et qu'il m'a suivi. Oui. Là, bon Dieu, tu es cité en Zébaotimé. Qui sa Bible a dit nous? Et il le suivi. Où ça il le suivi? Dans le chemin. Dans le chemin. Il suit l'agneau partout où il va.
Ceux qui acceptent le message du salut, c'est mon nom qui accepte le message du salut. Hein. Et puis qui a prêché les trois messages d'Apocalypse 14 là. Il a suivre l'agneau dans le chemin. La justification pour la foi. Oui, il a suivre l'agneau dans le chemin. Mm-hmm. Est-ce que vous croyez connaître quoi? Adam, 144 000 là qui a suivre l'agneau dans le chemin. Oui, mais question moyenne qui a venu au verset 4. Mm-hmm. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges. Mm-hmm. Mm-hmm. Ils sont vierges. Ou appelez ça en les mains. Ou pour suivre l'agneau. Mm-hmm. Mais Pucci, il a dit, et si passé, a suivre l'agneau, en langage symbolique, ouais. La femme qui a symbolisé l'église. Mm-hmm. Et si on pas suivre quoi, il y a des femmes, si c'est des femmes impures. Si on a suivre l'agneau, oui. Et que vous acceptez l'agneau. Mm-hmm. Avant, vous avez accepté l'agneau, côté vous avez avant, vous avez accepté l'agneau. Vous n'avez pas en inné. Hein? D'opération du Saint-Esprit comme Jésus, et puis vous suivez l'agneau. Mm-hmm. Avant, vous avez suivi l'agneau. Mm-hmm. Hein? Vous avez suivi notre. Pas oublié. Jean 8 dit nous, Jésus dit, vous avez pour père le diable. Et vous voulez faire la volonté de votre père, mm-hmm. Il faut qu'il y ait un changement à celui. Jean 17, verset 3. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, mm-hmm. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Dites-moi donc, avant de suivre l'agneau, en tout cas, suivre pour prévoir, hein, ou tu es dans l'adultère, parce que ici, le symbole ici, se souiller avec les femmes, hein, mm-hmm. Hein, c'est pas avoir des relations sexuelles. Mm-hmm. Hein, c'est accepter la proposition, et c'est pour ça que nous, dans toute la Bible, Jézabel, et puis mon Dieu, qui a reproché, c'est l'église, lui, d'y faire commerce, et puis Jézabel, et puis Jésus dit, voici, moi, qui a jeté en l'an lit, et puis tout ça, moi, il a couché, et puis, pour impudicité. C'est mon ta là, il n'y a pas qu'à coucher, et puis Jézabel. Il dit, stop! Il connaît l'agneau. Il accepte l'agneau. Il accepte ça, il marque dit ça. Il n'y a qu'à rester fidèle et intègre. Alors, si ce n'est pas souillé quoi, par des relations sexuelles et puis des femmes, ouais. Ça veut dire... Il n'y a qu'à accepter la doctrine, il y a dit stop. Donc, ça emporte spirituel. Ça. Ça veut dire c'est que... C'est ça. C'est ça, la repentance et puis la conversion. Alors, si je suis bien raisonnement, ça veut dire que les autres l'église là, oui. Qui n'ont pas qu'à suivre les principes de Jésus-Christ ouais. De l'agneau, d'accord. À considérer comme étant des prostituées. Des églises prostituées. Ni en mère. Et puis ni les filles. Il n'y a mère et puis les filles. Babylone, c'est la mère des prostituées. Hein? Et puis ses filles. Protestantisme, apostat et tous ceux qui ont lutté contre mon Dieu, qui ont rejeté le commandement de Dieu. C'est pourquoi. Alors, dans le même chapitre 14, ça là, oui. Nous avons, à partir du verset 6, un autre ange qui a volé par le milieu du ciel qui dit un évangile éternel. Et c'est même ce monde là qui a suivi l'agneau partout. Car oui, là, c'est oui. Yo qui a présenté. Avant de nous arriver là, puisque nous avons abordé la conclusion, mais par titre là, il est important. Oui. Puisque il y a des gens parmi l'église, nous-mêmes, mm-hmm, adventistes, mm-hmm, hein, mm-hmm. Qui ont dit que c'est mon nom qui passe sur quoi, et puis les femmes là, mm-hmm. C'est les riches mouns qui sont adventistes, qui partent dans pièce qualité religion, c'est ces mouns là. Qu'est-ce côté? Enfin, chaque mon nom doit, bah, interprétation yo. Mais, à deux textes là, ça qui a ressorti là, l'important c'est être, suivre l'agneau et puis être devant le trône. Oui. Quel que soit. Ça veut dire que vous pouvez sortir en disant et Babylone. Oui. Et puis venir en véritable enfant de Dieu. Mais quittez-moi Dieu. Purifier tout ça. Mais quittez-moi Dieu. Là, nous faisons les sauts. Moi, expliquez-vous. Et puis, Black a dit que la plus grande majorité des enfants, bon Dieu, dans le monde toujours. Mm-hmm. Mais ils sont sincères. Même après là, quand ils viennent, craignez Dieu, donnez-lui gloire, l'heure de son jugement est venue. Ils ont fait un appel là. Hein? D'accord? Ils ont quitté Babylone. Et Apocalypse 18, verset 4, sortir dans Babylone, peuple. Renoncez à péché. Et puis suivez-moi. Avec tous ces mondes-là, ils ont fait la couronne de racheter. Ils ont été capables de faire Babylone. Parlez, ouais, parce que yo, pour côté ça qu'on est, c'est considéré. Ou n'y a la rivière Bokayou, ou pas ni de l'eau l'assainissement, ou pas laver l'un jour. Mais de l'eau, ou pas laver l'un jour, dans un de l'eau qui trouve, bichon, ou pas ni d'autre de l'eau. Mais on ne peut pas dire qu'il y a de l'hôtel. Il y a l'autre la rivière là, il y a de l'eau claire,
L'eau quitte la rivière dans l'air pour monter en l'air pour laver les jours, après de l'eau claire. Mais c'est même bagarre de Babylone. C'est pour ça qu'on dit qu'à nous, sortez de Babylone. Mais nous voyons ça par la suite. Alors, et nous avons de la fin là, et puis et les saluts qui à notre Dieu, et puis à l'agneau. Voilà. Alors, on nous prend des textes là, et puis nous apportons en conclusion, puisque nous avons goûté et puis tant, il n'y a plus de bagaille pour dire, et Bible intéressant, questionnaire là motivant. Donc, on va aller pour nous. Apocalypse. Apocalypse 14, verset 5, et puis 2 Pierre 3, verset 14. Oui. Apocalypse 14, verset 5, on va aller. Alors, nous avons les caractéristiques là, dans leur bouche, ils ne se point trouver de froide, ni de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Et c'est comme ça, hein, bon Dieu, qu'à attendre l'église, les Jésus qui vivent. Absolument. Irrépréhensible, hein, irréprochable, pur et sans tâche. D'accord? Alors, 2 Pierre 3, 14. Hein? C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et irrépréhensible et dans la paix. Alors, c'est les 54 000 seulement qui ne doivent la paix, bien l'ensemble des rachetés. L'ensemble des rachetés. L'ensemble des rachetés. Très bien. On nous prend Romains 3, verset 19 à 23. Et puis, portant conclusion, on laisse ça pour montrer comment c'est important de vivre dans les derniers jours l'histoire dit dans Montala que les 144 000 hein, qui reflétaient puissamment les caractères de Christ. Absolument. Romains 3. Romains 3, verset 19 à 23. Oui. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car nul ne sera justifié par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée, la justice de Dieu à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu pour la foi et par la foi en Jésus-Christ, pour ceux qui croient, et il n'y a point de distinction. 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont tous gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, qui est donc en Jésus-Christ. Oui. Portant en conclusion, en les, le scellement, oui. Le scellement qui a battu plein à présent là, en plein, et qui manie nous pour nous comporter comme nous en tant que juge mondial. Tout le monde qui a accepté la vérité, Jésus-Christ comme sauveur personnel, et qui a persévéré, Jésus dit, si vous demeurez dans mon enseignement, vous êtes vraiment mes disciples, vous êtes véritablement disciples. Tout le monde qui a accepté cela, la vie éternelle, c'est privilège d'aller là. Donc, je remercie mon Dieu pour tout le monde qui a lutté, tout le monde qui a persévéré, tout le monde qui a goûté, alors qu'il a persécuté, il a agié, il a montré tout le monde, il a fait la fête et puis il a demandé, il a dit qu'il n'y a moins que rien, mais il a dit tout le monde qui est fort. Chebe fort, car l'œuvre de seulement qu'a continué, bon Dieu qu'a reconnaître Chli et qu'a matché le caractère lui, qu'a gravé le caractère lui. Allez, nous pas ni à décourager. L'avenir, plus belle qui débile. Et moi, qu'a dit tout le monde, nous persévérer. Merci, Gratien. Puisque les anges retiennent les quatre vents, on nous applique comme nous, divine volonté, bon Dieu. Absolument. Et c'est l'Esprit Saint qui a scellé nous pour le grand jour de la rédemption. Gratien, priez pour finir. Et merci. Papa Dieu, à nous qu'à remercier. Ou montrez-nous un panorama de la ville église. Ou montrez-nous aussi comment y a le monde pas aimé l'évangile. Le monde pas aimé pepou. Et diable pas aimé nous. Mais nous qu'à remercier. Parce que nous, Jésus, c'est le seul qui te digne d'ouvrir le livre là. C'est le seul qui vient prendre défense nous. Et c'est à côté Jésus et autour Jésus, nous qu'à réunir dans l'éternité. Quittez-moi dire, bon Dieu, nous la force pour nous trouver comme nous dans la foule de racheter devant les trônes. Pour nous saluer, bon Dieu, pour nous dire oui, ça lia, c'est à notre Dieu qui a assis dans les trônes, mon Dieu, et puis à Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu, mais qui a dépassé ce stade de l'agneau de Dieu qui est le roi de l'univers. Pour nous adorer, nous louer et nous demander grâce et force pour nous avancer chaque jour. En nom Jésus. Amen. Amen. Ainsi soit-il.